Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter le Bast 01. Donc le Bast 01 c'est ma toute première pièce liner lock, donc mon tout premier prototype. Donc un couteau bien sûr sur une ligne tactique, un couteau assez imposant avec un manche vraiment large de manière à avoir un maximum de prise en main. Un choix au niveau des matières plutôt sympa, donc et résistant. On a donc plaque G10 pour le manche, donc plaque G10 noir et plaque G10 vert. On a également CPM 154 CM pour la lame, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. On a un acier qui est vraiment une très haute résistance à la corrosion, un tranchant vraiment redoutable et une facilité d'entretien et une tenue de couple qui est vraiment réputée. Sumstead ouverture droitier gaucher, donc là-dessus ça c'est plutôt pas mal. On a un petit flipper au dos qui permet une ouverture, une aide à l'ouverture un peu plus explosive, voilà. Donc une ouverture fluide hein, sans problème. On a un liner qui est bien ajusté avec des plaquettes titane de 3 mm. Donc comme vous pouvez voir dans la main, c'est un couteau qui épouse parfaitement bien la main, qui fait son poids quand même. On a ici le flipper qui permet une garde plus sécurisée. On a un index qui reste bien en place, qui ne risque pas de venir glisser sur la lame. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le Bast 01, le premier couteau tactique avec une ligne qui est à la fois très sportive mais qui reste élégante, ok, avec des petits détails comme le microbillage des axes du côté du verre et des vis apparentes noires du côté de la plaque G10 noire. Donc voilà pour le Bast 01, premier proto, plutôt content du travail. Clip ceinture, une seule position possible, mis au maximum au bord de manière à avoir une discrétion au niveau du port.